I've been trying to find the Wolverine for over a year. It's not who I am anymore. In a futuristic world devastated by the worst criminals, the United States lie in ruin. After the supervillains won, frontiers have shifted, and populations are dying, abandoned by their own diabolical leaders. When the very concept of a hero has been forgotten and all hope is lost, what will happen of mankind? Something has changed. I'm so sorry. I'll never hurt you or anyone ever again. It's too late. Phylactère, BD d'hier ou d'aujourd'hui, indépendant ou mainstream, comics, manga ou franco-belge, Phylactère, ça commence maintenant. Wolverine. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Wolverine, mutant parmi les plus célèbres et les plus populaires. Si la plupart d'entre vous penseront surtout à Hugh Jackman quand on parle du griffu, d'autres comme moi entendront résonner dans leur mémoire ce fameux générique. Ah, les X-Men. Tout ça, c'est bien joli, mais pour un lecteur occasionnel, suivre les X-Men en comics peut paraître un peu effrayant, vu le nombre de séries, et ça, même si on se restreint à un seul personnage comme Wolverine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de Old Man Logan, dessiné par Steve McNiven et écrit par Mark Millar. Wolverine. Donc, le truc cool, c'est que même si vous n'y connaissez rien du tout en comics, vous pouvez lire Old Man Logan et prendre votre pied comme tout le monde. Ceci dit, avec l'arrivée de tous ces super-héros au cinéma, vous vous y connaissez tous un peu en comics maintenant, et l'univers, les personnages et les enjeux de Old Man Logan vous seront familiers. L'écriture le sera aussi, puisque Mark Millar est également l'auteur d'un autre comics adapté avec succès au cinéma, Kick-Ass. Il se débrouille pas mal du tout. Il débrouille surtout pour se faire massacrer, il devrait se faire appeler Kick-Ass à rien. Sauf que Old Man Logan, c'est beaucoup moins marrant. Quant à Steve McNiven, il a déjà fait ses preuves en tant que dessinateur sur Civil War, un crossover particulièrement marquant de l'univers Marvel, ou encore la série New Avengers de Bendis. Rien d'étonnant donc que Old Man Logan soit une telle réussite. Si vous êtes fan de Wolverine et que vous voulez découvrir d'autres mini-séries du genre, je vous conseille Wolverine, les origines d'Andy Kubert et Paul Jenkins, et Weapon X de Barry Windsor-Smith, deux comics qui ont inspiré le film Wolverine, les origines, que vous avez peut-être déjà vu. Sauf que, vous vous en doutez, les comics sont bien largement au-dessus du film de Gavin Hood, qui pour moi est... de la merde. De la merde. En résumé, pour bien profiter de Wolverine en comics, je vous conseille de lire son passé, son présent et son futur. Wolverine. Old Man Logan nous ramène donc dans un futur apocalyptique où les méchants ont gagné. Magneto, Doctor Doom, Abomination se sont tous réunis pour défoncer tous les super-héros et règnent désormais sur le monde. Mais le monde, c'est les États-Unis ? Enfin, sur les États-Unis. Quasiment unique rescapé de cette guerre, on retrouve un Logan fatigué, usé et rangé en tant que fermier avec sa famille, tentant de vivre sans violence pour faire exception au monde anarchiste qui l'entoure. Logan, tranquille. Endetté face à la famille Banner, fraternité consanguine dirigée par un Hulk qui a plutôt pété un plomb depuis la chute des héros, Logan va être contraint d'accepter une mystérieuse mission avec un autre ex-super-héros. Okai. Enfin, non, pas ce Okai là. Un moyen de diversion. Non. Voilà, ce Okai là, qui malgré sa condition d'aveugle va se révéler un atout particulièrement meurtrier dans cette aventure. On sait donc ce qu'il reste à faire pour que Jeremy Renner soit un bon Hawkeye. Faut lui crever les yeux. Ce nouveau duo digne des meilleurs buddy movies va donc traverser toute une Amérique dominée par les super-vilains pour livrer un mystérieux colis et permettre à Logan de rembourser sa dette à la famille de Hulk. Seul souci, Logan ne veut plus user de sa force, Wolverine est mort, il ne reste que l'homme derrière le héros, Old Man Logan. Ce nouveau duo. Oui, vas-y. Ce nouveau Capitao, ce nouveau duo. Wolverine. Deux questions surplombent donc le récit. Pourquoi le griffu ne sort-il plus ses griffes? Et vont-ils réussir à rembourser la dette de Logan?
Le personnage de Old Man Logan est directement inspiré de William Money dans Impitoyable, interprété et réalisé par Clint Eastwood, un très très bon western sorti en 1992. And a bad reputation. You're the one who killed William Harvey and robbed that train over Missouri. Was as good as gold. My guess is you're calling yourself Mr. William Money. Say what? You don't look no meaner than hell, cold-blooded damn killer. I ain't like that anymore, kid. $1,000 reward, Will. Nobody's gonna come. So you still have that Spencer rifle, huh? Yeah. It's my partner. You don't go, I don't go. What's it come to, three ways? Just because we're going on this killing, that don't mean I'm gonna go back to being the way I was. Are you really gonna kill them cowboys? I do not like assassins. Or men of low character. We ain't bad men no more. We're farmers. You're a lot of savages! A bunch of bloody savages! Assassins! Well, I guess they have it coming. We all have it coming, kid. Some legends will never be forgotten. Some wrongs can never be forgiven. Any man don't want to get killed. Better clear on out the back. Unforgiven. Si ce film vous a plu, cette BD est faite pour vous. Si cette BD vous a plu, ce film est fait pour vous. Et si vous n'avez lu, ni vu, ni l'un, ni l'autre, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. What are you gonna do? Give him one. Le gros plaisir de Old Man Logan, c'est aussi la multitude de références à l'univers super-héroïque et de ce qu'il en reste dans cette uchronie. On va découvrir au fur et à mesure de ce road trip ce qu'il est advenu des Vengeurs, des X-Men, et on va croiser des personnages emblématiques de l'univers Marvel comme Crâne Rouge, Emma Frost ou même Venom. Ah mais non, ça se prononce Venom. Si certains reprochent à Old Man Logan une fin un peu maladroite, ultra-violence futuriste et western apocalyptique sont au rendez-vous. Quel dommage que Marvel Studios et la Fox se partagent les droits d'exploitation. Old Man Logan ne verra jamais le jour au cinéma, Hawkeye appartenant à Marvel Studios et Wolverine à la Fox. Non ! Et si ? Wolverine. Je vous laisse donc découvrir chez votre libraire le plus proche Old Man Logan édité chez Panini en VF et en VO chez Marvel bien entendu. Bonne lecture et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à la partager et ou à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que l'on retrouvera bientôt Steve McNiven au dessin pour une mini-série qui s'intitulera Death of Wolverine. Mais comme d'habitude, on sait très bien que les super-héros ne meurent jamais. Enfin, pas très longtemps. Wolverine.